Hey Claude! Claude, viens, je vais te montrer. Hein? Je vais te montrer. Qu'est-ce que tu vas me montrer? On a une caméra avec qui? Oh là 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 là, mais c'est superbe celui-là. Hein? Elle est belle, la fraise, oh là madame! Oh là 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 là, regarde ça, c'est. Oh là elle est belle, la fraise! Oh dis donc! Oh! La fraise! Oh dis donc, t'as vu Pierrot? Et les filles? Oh, regarde ça! Oh, ça c'est. Oh là 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 là! Dis donc! Mais où c'est que tu les trouves, ces nénettes? Tu les sortais avec hier, hein? Faut me saluer. Non, en 2001, t'auras ton cadeau! Ah! Bon, Quelle organisation, je voulais dire. Oui, voilà. Écoute, pour venir ici, pour mettre la zizi d'Annie, pour qu'ils s'entendent très bien. Oui. Qui est fait parfaitement équilibré. D'amour équilibré. L'un pour l'autre. Je veux dire, il n'y a pas une photo que tu peux montrer, alors que ces photos-là seraient vendables n'importe où actuellement. La fille est sublime. On peut te les montrer, elles sont encore là. Elles ne sont pas parties. Mais pourquoi faire des photos avec un slip, puisque l'on ne voulait pas des photos? C'est comme si je faisais un portrait. Non, mais je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Tu aurais dû y penser. Pas dans le contexte de l'époque. Moi, on voulait des photos. C'est comme les Américains. Je leur montre une photo d'une fille habillée. Bon. Mais ils l'enlèvent directement. On commence tout de suite nu. Non. Et je fais un portrait dont jamais ne servait rien. Maintenant, il me sert parce qu'il y a des petits journaux calmes en France, alors on me cherche mes portraits. Mais j'en faisais pas, pourquoi faire appuyer sur le bouton inutilement. J'avais un travail à faire, il fallait que je le fasse en une heure ou deux heures, j'allais au plus précis ce qu'on me demandait. Les poses étaient toujours les mêmes. J'ai fait 74 couvertures, playmates, c'est-à-dire la fille des couvertures du milieu, qui sont exactement les mêmes. La fille sur le ventre, le genou légèrement replié. Je fais 74 photos comme ça qui ont passé en playmate. C'est dingue, on ne voulait pas autre chose. Alors maintenant, on me dira, quel dommage, je ne vais pas faire une photo avec un slip. Je veux dire, tu as fait des portraits qui sont très beaux. Pour mon plaisir. Tu as fait des filles en lingerie. Tu n'as fait des filles uniquement sans, avec le sexe, le cul en l'air, le sexe. Quand tu sais que le marché de la photo change à tout moment. Il y a 2 ans, on est allé aux États-Unis, c'était les filles très ouvertes, très hard. Cette année, ce sont les filles très soft, très petites filles, très nature, très spontanées, avec les petites chaussettes et le short. Non, il faut tout prévoir. Je passe depuis 30 ans toujours les mêmes photos. Mais mes 7 qui font 100 photos pourraient se résumer à 20 photos. Je leur donnerais les 20, ça suffirait. T'as jamais du plaisir une fois à faire une photo qui te plaise? Je ne pense pas. D'une fille sympathique, duquel t'arrives à sortir. Excuse-moi, tu ne parles pas. Si tu me l'as dit, Serge. Peut-être 10 fois dans ma vie. Oui. Là, cette fille était mignonne, elle était sympa, elle jouait avec un petit animal. Je faisais une photo, c'est une photo qui n'a servi à rien, que j'ai foutu en l'air depuis. Combien de fois, Serge? Non, quand on a trié des photos ensemble, combien de fois tu m'as dit, toi, celle-ci, qu'est-ce qu'elle était drôle? Qu'est-ce qu'elle était rigolote? Qu'est-ce qu'elle était agréable? Une sur 100. Une sur 100, c'est pas beaucoup. J'ai photographié 2500 filles. 2700 filles, j'ai photographié, un peu plus. J'en ai trouvé 30, 40, sympas, drôles, avec qui je m'amusais, avec qui j'ai passé une bonne soirée. Oui, salut Ariane. C'est pas beaucoup. Oui, ça va très bien. C'est pas énorme. Aujourd'hui, personne ne répond jamais. Tu verras les photos que j'ai triées aujourd'hui, parce que l'Angleterre a demandé des photos de lingerie pour faire un bouquin. 45, 48, 85. Les filles sont sublimes. Je ne comprends pas. Toutes les poses sont identiques. Je dis, mais attends. Ça fait combien de temps ça fait qu'il fait ça? Qu'avec lui? Combien de temps ça fait qu'il fait des photos? Avec lui? Non, pas avec lui. Combien de temps ça fait qu'il fait des photos? Lui? Oui. Bah, tu le sais mieux que moi. Oui, elle est provocatrice parce qu'elle est maintenant sa peau. C'est très emmerdant. Il a des sets magnifiques. Des filles sublimes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais celles qui sont sublimes, il les a sublimes. Seulement, elles ont toujours. Elles écoutent les poses. Parfois, il me les laisse choisir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il me dit, toi, tu les vois d'un autre angle, je les vois d'un œil esthétique féminin, qui peuvent plaire. Et parfois, je vous rejette plein. Je dis, allez, ça à la poubelle. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On te ne les prendra plus. C'est fini. Dommage. Bon, autre chose, j'ai rencontré aujourd'hui. Parce que quand tu regardes les magazines américains ou français, tels qu'il a existé New Look, Playboy,
tout à fait charmant. Lui, etc. Les filles étaient nues, les filles montraient leur sexe, oui, etc. Bien, mais les filles, auparavant, étaient habillées aussi. C'est-à-dire que progressivement, on les voyait se déshabiller. Lui, non, il ne fait pas ça, lui. Lui, il fait directement, claque. On va se marier. C'est clair et net. Donc, non, je ne suis pas d'accord. C'est dommage que. Oui, mais il dit à l'époque, c'est ce que nous demandait. Il va passer un des bouquets, il va le découper, il va s'amuser à faire des collages avec. Je sais pas comment ouais, voilà, je me le souhaite là, c'est vrai que je suis pas. Moi non plus, hein. Je suis pas très près de ce milieu. Donc, tu peux servir ces photos, tu peux présenter 2-3 personnes qui sont très utiles pour toi. Voilà. Je vends des. Tu verras avec actuellement, je vends des photos pour des. Je vends des photos pour des petits magazines de gare. Tu sais les petits magazines de gare que tu as, les petits magazines érotiques. Je connais pas. Oui, moi non plus, mais je veux dire, je connaissais pas. Je vends une photo. Donc, l'éditeur me demande telle ou telle photo, une fille habillée, une fille où on... Alors maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée, disant que l'on ne doit plus voir la poitrine, c'est une nouvelle loi française qui vient de passer. Non, non, plus du tout, il faut que la fille soit habillée. Pas de fille qui sourit. Je vais résumer ça. Il y a 20 ans, je photographiais... C'est très dur maintenant. Claire, je la mettais nue devant un fond bleu. Elle faisait des mouvements, ceci, cela, sourire, pas sourire, remettait ses vêtements, etc. Je la vendais partout. Allemagne, Suède, Espagne, Norvège, je la vendais partout. Maintenant, chaque pays a ses lois, a ses idées, a ses fantasmes. Les Français veulent des filles très minces et des blondes. Actuellement, c'est Kérousse. On ne veut que les rousses. Les Allemands ne veulent pas de brunes. C'est un business de sensibilité. Pardon ? Pas du business, faut de la sensibilité. Oui, oui, oui. Comme m'a dit tout à l'heure le jeune homme, il m'a dit, il a regardé mes photos américaines. Il a été effrayé. Il a été effrayé, elles n'ont pas d'âme. Ce sont des visages Serge, nets. Ça correspond ces photos que tu as envoyées au calendrier, qui les ont refusées. Oui, toutes les photos d'Amérique que j'ai envoyées, personne n'en veut. Elles sont tellement vides, tu vois passer le train. C'est tout ce que tu vois. Oui, les filles sont très belles, elles sont contentes d'être belles, mais on n'a pas envie ni de les déshabiller, ni de les embrasser, ni de les gifler en réalité. On n'a rien envie. On la trouve belle, esthétiquement parlant, on a envie de les épingler. Ce sont des pin-up. Ouais, c'est fait pour être... Une pin-up n'est pas une fille que l'on amène dans son lit. C'est fait pour être dans ton camion. Elle est dans son camion et tu es devant ton lit. Voilà. Là, j'ai eu un mal fou à faire une sélection de photos. J'en étais folle, parce que la fille, elle est sublime. Mais pas un moment, il a pensé à l'habiller, enfin, à lui mettre un sous-vêtement. Puisqu'on ne marchait pas ces photos. Pourquoi veux-tu que je fasse une photo de plus, la fille habillée, puisque tu vois ce que veut dire mon esprit. Ben, je fasse ce que l'on me demande. N'oubliez pas de faire la fille avec allongée sur un tapis. Tu faisais ce qui te plaisait, pas ce qu'on te demandait. Je ne faisais pas ce qui me plaisait, ça ne m'a jamais plu. Je faisais ce qu'on me demandait. Non, tu fais un site de photos, Serge, qui t'est propre. Attention, je te l'ai souvent dit. Les poses, ce sont toujours tes mêmes poses. Parce que ce sont les poses que j'ai imitées. Les bas, ce sont toujours les mêmes bas. Oui, mais les bas rouges, les chaussures rouges, etc. Je veux dire, des trucs qui ne sont pas forcément... Non. Non. Ce sont tes fantasmes. Ce sont tes fantasmes. Regarde comme elle est hypocrite parce qu'elle connaît mes fantasmes. Toi, ma grande. Ce sont tes fantasmes. Qui connais mes fantasmes. Tu enlèves ta main. Merci. Moi qui t'aime, oui. Avec tes bottes noires, ton costume d'officier, ta casquette. Et ta grosse moto. Je ne connaissais pas ce jour-là. Je découvre aussi. Ouais.